Décrocher à l'arrivée à l'épuisette. Bon, je démarre une session après avoir rencontré un couple de gens très sympathiques qui ont regardé mes vidéos, sont même abonnés. On a passé un petit moment à parler, c'était très sympa. Et là, je vais démarrer ma session. Je suis sûr que je vais avoir un beau poisson grâce à eux. Allez, c'est parti. Pose ma mouche, elle flotte bien, parachute avec du poil de chevreuil. J'ai vu quelques gobages là-bas. Pose ma mouche, on la suit. Je commence un peu là pour voir. Allez, dès qu'il y a un poisson là-dessus. Bon, on va essayer de faire au bord là-bas. Le vent s'est calmé. Pour l'instant. Bon, là, va bien, hein. Impeccable. Ah, ça tapait. Ça tape. Ça tape. Ça tape. Peut-être, ils sont là. Des mioches, comme je les appelle. Petits poissons. On va essayer d'attraper la grosse aujourd'hui aussi. Pas décrocher surtout. J'aime bien le bord là-bas. C'est jamais. Un test ici. Allez, une pour démarrer. Une vandoise ou un chevesne. Une truite, non, je pense pas. Là-bas, je suis au bout là-bas. Bon, dès qu'il y a un poisson, je vous montre. Le premier est là. Petit mioche.
petit moyen, petit chevesne. Ouais, petite taille sympa, hein. Bon, il est à moitié gobé. Bon, la pince, hein. Pas le choix. Liberté. Oh, j'ai plein de mousse dessus. Qu'est-ce qu'il m'a mis? La mousse partout. Bon, on sèche la mousse. Meilleur moyen. J'ai pêché en amont, mais en réalité, il y a un petit courant là, une petite. Voilà. La sortie de la veine. Et ils sont là, postés là. Alors, qui dit petit, peut y avoir des gros. Hein. On sèche bien la mousse. On va voir s'il y a son copain. Le mieux, ce serait d'avoir le frère plus grand. Ils sont là dans le courant. Juste là. Là et après. Juste après. Juste après le courant. Je sais où là. Tu vois. Un cercle là-bas. Petites ondes, hein, pas les grandes ondes. C'est pas un FM. Il faut que je fasse couler. Il y en a un qui est là, en dessous. Il est en dessous. Je vais m'approcher pour faire couler ça différemment. Ce qu'ils font. Ah. Il est pris. On rigole, hein, peut-être. Hein. Ça se débat. Hein. Là, hop. Après, on s'attaquera aux ours. Hein. Bien se mouiller les mains, pas les brûler. Comme on a la température du corps qui est supérieure à eux, bien sûr. Donc on les brûle si on a les mains chaudes. On brûle leurs organes. Ça chamousse. Il faut lancer. Et c'est parti. Juste histoire de s'amuser, parce qu'il faut que j'aille manger un petit morceau. Déjà en début d'après-midi. Il bon, faut que je sois plus loin que ça. Juste après. Aller dedans. Je m'approche. Je passe autrement. Je vais prendre à la sortie du courant. Non, je suis trop près. Il m'a laissé la feuille. Belle à voir. Gobage.
point posé délicat quand même, que la mouche reste bien sèche quand elle se pose. C'est pas mal mieux l'avoir, de se préparer à l'attaque. On va faire cette ligne-là. Avancer de 2 mètres à chaque fois. Et de peigner la rivière. Oula. Ils sont là-haut. Ils sont là-bas. Ah, il casse-pied qui est petit à gober comme ça. Allez, dans les herbes. Oh, j'avais. Bataille. Petit cheval, pas content. Pas content le petit cheval. Bon, c'est amusé. Hein. Je suis là pour ça. Ça chamouche et on y va. Ils sont là. J'avais vu gober celui-là. Je suis mort. Belle attaque là-bas. Belle attaque. Ah. Émotion. Je suis le bord là. Je me fais couler. On va aller au bord. Les nuages sont là, c'est sûr. Oh là, ils sont là-bas. Hein. Ça va, ça va. La couille, changer de mouche. Je vais prendre autre chose que ça. C'est bien pourtant. C'est bien, tu peux moi j'avoue. Petit parachute, un poil de lièvre d'Alaska, lapin, lièvre blanc.
Bon, je vais passer la veine après. Je sois après. J'en ai une belle là. Je n'ai pas accroché. Où ma mouche hein? Il m'a pas piqué quand même. Je ne vois plus. Il m'a pas cassé. J'ai l'impression qu'il m'a cassé. Il m'a cassé, il m'a gardé la mouche. Ah là là, je m'en doutais. Il m'a pété la mouche. J'ai bien vu que ça allait bien taper. J'ai bien vu mon coup. Il est costaud, les gars. Ça change. Hein. C'est celui que j'ai détaché hier. Je suppose. Ouais. Putain. Il n'y a plus d'autre. Ah non, pendant les... viens pendant l'herbier là. Viens là. Viens là mon gars. Dans la boîte. Oui. Ah, il y a des belles couleurs. Hein. Donc ça c'est bien, je peux poser ma canne là. Bon bestiau. Ouais. Ah, il est tout tigré là. Super. Allez, tonton. Bon. Je vais quand même lui enlever ce qui vient, c'est la mouche. Toute petite mouche, elle est défaite, c'est impeccable. Voilà. Ça, c'est du relâché maison, ça. On l'a vu, hein. C'est bon, hein. Bon, c'était un beau coup de ligne. J'avais bien vu le coin où il fallait lancer. Je le sentais. Je pensais pas vraiment qu'il était là. J'avais rien vu, qu'il n'y ait pas d'indice, hein. Pas de gobage, rien. J'étais au hasard, mais en même temps, un peu sourd de mon coup de choper. Si, petite mouche, elle a fait une petite mouche lièvre également. Je viens de la mettre il n'y a pas longtemps. Ça tape. Bon, ben voilà. Pas qu'à pas du gros, je voyais partir sur la friture. Ça me faisait un peu peur. Ah bah bien sûr, je chope les feuilles. Voilà. Dommage, je n'avais pas allumé la caméra encore. C'était pas en direct. À peut-être l'occasion. Ah, vous en avez vu avec moi. Sous les arbres, faut pas hésiter. Ça fait l'insecte qui est tombé de l'arbre. C'est le très bon leurre. C'est là-bas au bout, là-bas.
qu'est-ce qu'il est beau, et d'ailleurs ce cheveu, les couleurs qu'il a. Et vraiment, il pesait, hein. Il faisait son poids. Hein. Je laisse couler, si jamais. Je vais bouger un peu parce que là. Tout seul, personne. Quelques. En direct, celui-là aussi il est beau. Il est beau aussi. Ah, les amis, comme personne. Encore voilà. Et tout. Ah, je voulais jouer comme ça. Je me suis fait avoir avec l'herbier. Ou la pierre. Qu'est-ce qu'ils décrochent pas? Ouais, il était pas si gros que ça, mais. Ah bah oui, il m'a surpris celui-là. Il se défend trop, très très bien. Hein. Allez, on va. Oula, je me pique un comme ça. Ouais, mais bon, il est. Il a une bonne taille. C'était bien défendu. Hein. Il m'a surpris, je crois qu'il était plus gros que ça. On peut le prendre à la main. Hein. Je suis derrière eux parce qu'ils ont la tête dans le sens du courant, donc sinon je suis pas vu. Hein. Bonne position, caché. Qui est caché. Je suis un peu trop là. Je suis surpris. Je suis essayé d'être une jeune un peu sur le côté, moi. Chance d'en choper un gros. Ça, et ça, c'est l'automne. Et l'automne, les feuilles elles tombent. Et le pêcheur les accroche
à la mousse. Il sèche un peu. Je vais pas savoir où je vais. À l'élastique et jouer de la guitare avec, c'est impeccable. Oula, oh, qu'il est beau celui-là là-bas. Des ondes FM. Ça va être dur aussi avec le courant. Ah, là, pas comme ça avec le courant, c'est même pas possible. On va bien se promener. Je vais secourir la mouche. Toute seule, elle va y aller. Je vais aller sur lui en direct. Je vais bouger, je vais aller un petit peu plus haut. Je vais faire ma pause. Avant la pause. Allez, pause. Tire bien ce petit bonhomme. C'est un effort pas très grand, mais combatte bien. Beau cheval, hein. Si, il est beau. Hein. Une taille que j'aime, il combatte bien. C'est pas des gros lourdeaux, super. Bon, on va sécher la mouche quand même. Bon, ben bonjour à tous, bienvenue pour les nouveaux abonnés, merci. Voilà, une petite session qui a démarré là, avec également des petites. Et puis après, les grosses sont arrivées. Ça fait du bien. Il faut des fois réfléchir vraiment où lancer, pas faire n'importe quoi. Faut pas lancer pour lancer, faut attendre, bien regarder la rivière et dire ouais, je tape là ou je tape là, chercher les bons endroits et surtout sous les arbres, le cheval, ça pardonne pas. Bon, ouais, je vais continuer tranquillement, puis après me rentrer. Mais bon, juste en laissant draguer dans la coulée. Il profite du courant, le coup. Il ne faut pas être si gros que ça, mais ils les font bien. Ouais. Ils sont gras. Hein. Ils sont gras. Il est beau. Hein. Une belle taille. Hein. Bien piqué sur le bord de la lèvre, tranquilloche. Voilà, beau spécimen. Voilà, content. Je suis content. Je vais faire ma pause. Juste après. Essayer de mettre en direct un peu.
Oh, l'attaque. Ah ben non, j'ai bien fait de le mettre en direct. Hein. Attaque qui m'a fait. Je sais même pas si tout est en ordre là-dedans. Hein. L'attaque. Bon, ben attends, hein, petit gars. T'es dans le coin. Hein. J'ai bien fait de le mettre en direct. Hein. J'ai dû voir l'attaque. Hein. Sympa. J'aime bien. J'aime bien les attaques comme ça. Mais j'aime bien quand ça pique. Ça promet là. Je vais laisser couler encore. Je suis dans la bonne veine. Veine d'eau. Ça se mélange dans les feuilles, c'est un peu embêtant. Voilà. Ah, il l'a chopé. Il l'a loupé. C'était sympa. Peut-être plus loin là-bas. C'est plus grave. Je sais pas si j'ai pas chopé une feuille. Non, j'ai pas de feuille. Non, j'ai pas de feuille. Je crois qu'il y avait une feuille dessous. Allez, on rase-motte là. Hop là. On rase-motte sur les arbres. Il faut pas s'accrocher, bien sûr. Quand on laisse couler, on fait des petites tirettes hein, pour animer la mouche. C'est évident. Hein. Il ne courra pas. C'est le chat. Là. Toujours comme ça, je me mets en direct, ça, ça pue. Ah si, on a eu une belle attaque quand même, autant pour moi. Ça gobe. Il était beau, hein. Qu'a sauté, là. Celui qui m'a attaqué, là, ça aurait été bon, hein. Ah, il y en a un qui chatouille au bout. Parfait. Mis en courant de la veine d'eau là. Ah bien voilà. J'en ai vu un qui s'est retourné là en dessous là. J'ai vu briller.
Il l'a pris dans le courant. Il l'a pris juste en descendant. J'avais bien vu qu'il fallait un petit peu plus loin pour que j'arrive sur au-dessus de lui. Oh, toujours une belle taille. C'est un joli poisson, hein. Beau chub. J'y suis. Un chiffon spécial, là, les chiffons modernes qui essuient tout, là, c'est super. Pour l'essuyer, c'est bien, ça prend tout de suite l'eau. C'est pas cher. Puis l'élastique, hop, et c'est parti. Bon, pour une fois, j'étais intelligent, j'ai mis en direct. Hein. Maintenant, j'économise toujours la carte SD, hein. Plus on filme, plus ça charge. J'en ai une d'orchamp, je fais ça. Faut pas être bête. Là, je suis avec une batterie de rechange également, c'est déjà bouffé à bassin de la caméra. Donc c'est bien d'avoir une batterie de rechange, une carte SD de rechange, pour ceux qui ont une GoPro. Ben, je le conseille, quoi, parce que... Ce serait dommage de louper la grosse prise et de ne plus avoir ni de batterie ou plus de place sur la carte. Elle était juste à gober dans le courant, lui. Ça n'a pas loupé. C'était beau, là, dans le courant, comme ça, là, c'était sympa comme sensation. On les sent bien, ceux-là. Ils se défendent bien, les jeunes chevaux. Par rapport aux gros, c'est les gros tracteurs, lourds. Bon, j'en ai eu qui combattaient. Il y en a une qui est au bout, là, qui chipote. Pas gros, ça. Ah, tu vas revenir. Bon, ça va me remettre la mouche dans le courant. Dans la bonne veine. Ah, j'ai senti au passage. Oula, pareil. À la sortie de la veine d'eau. Des fois, ils ne prennent pas carrément. Hein. Si c'est petit, c'est pas grave. Il est pas gros celui-là. Il y a les mioches qui sont là aussi. Forcément. Hein. Oh là là, le pince. Ça change. Il ne va pas me faire mal au bras, celui-là. C'est normal, la mouche n'est pas très grosse. Hein. Oh. Oh, la prise. Jolie, hein. Un petit plongeon. Ça gobe là-bas, à tout va. Là, ça tape au bout de la mouche. Ils ont bougé, ils sont là-bas.
tu veux pas, tu prends pas, il tapote, prends pas. Ah, loupé. Tu vois, on le voit, hein. Les ont fait juste avoir, juste avoir. Jouer main. Je me tape un bout. Il y en a qui s'amusent avec. Dans l'herbe. Okay. Un petit pause, parce que ça fatigue de lancer, ça paraît pas, mais c'est le dos qui roule. J'ai le sac dans le dos. Le sac à dos, il est lourd. Allez, une grosse. Et je me pose. Grosse moyenne, hein. Je m'amuse pareil. L'émotion est forte quand c'est une grosse, mais bon, les moyennes, c'est du combat, c'est sympa. Ils ont du nerf. Tu es petit gars, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je sais pas où, mais t'es nerveux, hein. Ça chante bien. Piquer, t'inquiète pas, t'es piqué. Regarde dans les herbiers, bien sûr. La salade est avec. T'as mis les légumes avec le plat de résistance. Je change de coin, pas la pause, pour voir si ça gobait. Encore un petit peu. Ah non, il m'a fait ça. Il est parti sous l'herbier. C'est beau, ouais. Une belle taille, hein. Ah ouais, hein. Super sympa, ouais. Hein, ça. J'aime bien cette taille-là. Un gobache qui s'est fait. Pas piqué. On a eu des grosses sautées, mais je vais pas prendre. Peut-être pas la bonne mouche, là. Pas assez grosse. Mais j'arrête à la fin de session. Là. Je vais la revoir au passage. Je pense être plus frais. Thank you.
méfier quand on a une grande courbe avec la soie. Pour ferrer, c'est difficile. On a un laps de temps trop long pour pouvoir la piquer. Ouais. Je vais le caber là.